Et toi, le coquet? Joyeuse Pâques, tout le monde! Donc, on est dimanche de Pâques. Il fait super, ben, super beau. C'est quand même un petit peu nuageux, mais il fait chaud dehors, puis il pleut pas, fait que c'est vraiment fun. On est allé promener Banjo. Puis là, dans le fond, il y a comme un genre de souper familial après-midi qui s'est développé du côté de mon chum hier soir. Puis j'ai pris une couette là parce que. Fait que là, c'est ça, je me suis dit que j'allais apporter les blondies au mini-eggs, là, que j'allais en faire une batch pour en apporter là-bas. Fait que je m'apprête à faire ça. Puis, ben c'est ça. Je me suis appelée mais normal, là, des jeans, un chandail blanc, mais lui, je l'aime beaucoup parce que. Attends, je vais vous montrer ça sans ça. Il y a comme des petits détails de dentelle sur la manche. Je sais pas si on peut bien le voir. C'est flou, hein? Ouais. Voilà, puis là, je m'apprêtais à emballer le petit cadeau pour ma petite nièce qui est pas encore née. J'ai acheté plein d'affaires quand il y a des trucs vraiment spéciaux, ouais. J'y achète. Fait que, attendez, je le sens. Fait que c'est ça ici, regardez la petite veste. C'est tellement cute. Avec les petites oreilles. Regarde, elle a comme un mauvais pli. Ça fait trop longtemps qu'elle est dans mon garde-robe. En tout cas, on la repassera. Comme ça. Puis des petits leggings, de même avec de la petite dentelle. C'est juste trop mignon. Ça vient de chez Gap. Ouais. Voilà. Banjo? 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 Ita, regarde qu'est-ce que j'ai pour toi, Banjo! Un nouvel ami? Tu t'en fous? Oh, il s'en fout en auto. Bon, je vais lui donner ça. Ça, tu t'en fous de moi? Oh, il veut pas. Qu'est-ce que tu lui as donné? Banjo! Ah, le toutou! Le toutou, puis l'ours. Il veut même pas. Bon. Plate. Il est plate, ce chien, là! Eh oui! Fait que là, on est... Ah, zut, la musique! Attends, je vais mettre une pause parce que j'ai l'air bonne. Fait que là, on est sur... Oups! On est sur notre départ. Il est... Quelle heure? Il est midi et 40... En retard. Il est midi 45. Midi 52. Puis, 5 minutes de différence. Hey! Non, c'est ça. Non, on arrive pas vers 1 heure parce que c'est ça. Dans le fond, le frère à mon chum,
ils refont leur patio. Fait que là, mon chum, il tenait beaucoup à aller les aider. Mm-hmm. Fait que, ben c'est ça, ma si on veut se faire aider quand on va faire les nôtres, il faut bien. Ben, non. Puis, ben c'est ça, eux, ils commençaient comme même tôt, ils commençaient à 9h, mais tu sais, moi, mon chum, il finit de travailler à 11h, puis il était à la maison à minuit. Hein, fait que c'était sûr qu'on n'allait pas être là à 9h à matin. Pis là, il fait super beau. Ils ont genre... En plus, il annonçait full de pluie, hein? Ben, il annonçait de la pluie. Oui, il annonçait de la pluie pis pas beau, mais finalement, il fait super chaud. Fait qu'on s'en va là-bas, pis j'ai apporté mon petit cadeau, le kit de survie de Banjo, parce que Banjo, c'est comme un enfant, là. Il apporte 3 fois son poids en bagage. Ouais. Comme ma blonde, tu pourrais dire. Trop pas, en plus je suis vraiment pas pire en bagage. Quand tu regardes genre sur YouTube les vidéos là, what's in my carry-on ou what's in my bagage, ben moi j'apporte vraiment pas grand chose. Ouais. J'apporte juste les kits que je sais que je vais porter pour le X nombre de jours. Ben, j'apporte pas toute ma garde-robe. Je vais hey, tu vois qui parle. Ben là, tu parles. T'amènes au moins genre une couple de kits de rechange en cas de. Tout le temps. Fait que là, on est sur notre départ, les fenêtres ouvertes! C'est la belle vie. Bon chien! Bon, donc là, on est arrivé, mais dans le fond, ma belle-sœur était pas encore là. Je pense qu'elle avait comme un dîner avec des amis. Fait que là, mon chum, il travaille sur le patio. Nous, on a décidé d'aller se promener en entendant. Fait qu'on se promène, puis j'ai spoté un Starbucks avec commande à l'auto. Fait que je vais aller avec Banjo dans la commande à l'auto. Ça va être bien drôle. Fait que c'est ça. Bon, il est rendu 5h10. Les boys avaient quand même bientôt fini. Puis là, on s'en va manger chez mes beaux-parents. Mais moi, genre, dans le fond, j'ai quitté un peu plus tôt. Il leur restait un petit peu, là, je sais pas trop, à étendre la garnotte, ou je sais pas trop quoi. Mais là, c'est ça, je vais aller porter des petits blondie mini eggs à mon papa. Puis, on dirait que j'avais un dame, là. J'ai aidé ma belle-sœur à faire du petit désherbage, là, pour les plates-bandes. Puis, ouais, on est plus habitués à être dehors. On dirait que, je sais pas, ça me donnait un coup de bord. J'avais vraiment un coup de bord. Puis j'ai faim aussi, dans le fond. On a juste comme déjeuner, dîner. J'ai une pensée. En fait, je pense que c'est plus ça que... En tout cas, bref, je suis quand même allée me chercher un café glacé au Tim Hortons. Puis j'étais un peu déçue. Il n'y avait pas de service à l'auto. Voyons donc. Sa banlieue, pas de service à l'auto. C'est la première fois que je vois ça. Je suis insultée. Ça sert à ça, les banlieues, avoir des grosses surfaces. Ou est-ce que tu peux y aller avec ton char? Je la trouve drôle. Fait que bref, j'ai laissé Banjo dans l'auto quelques minutes avec la fenêtre entre-ouverte. Là, c'est pas fait. Fait que c'est ça, je me dirige vers chez mon papa, mais je pense qu'il est pas là parce qu'il s'en allait faire de la rando. Je vais y laisser dans la boîte aux lettres. Allô tout le monde! Donc, on est rendu le lendemain matin. Je vous ai pas vraiment parlé après. Ben, je m'en rappelle même plus c'est quoi je vous ai dit la dernière fois. Mais en tout cas, je vous ai pas vraiment parlé en soirée parce qu'on avait un souper. Et ça a quand même fini vers comme 9h30. Puis là, sans venir ici à Montréal et tout, on est arrivé à la maison vers comme 10h15. On a pris nos douches et tout. Fait que, tu sais, on était fatigués. Puis on était quand même fatigués de notre journée. On avait passé une bonne partie de la journée à l'extérieur. Fait que, ben, c'est ça. Je veux pas. On était plus fatigués. Banjo, il est dead de sa journée, là. Regarde-t-il. Ah, Banjo. Oh, t'as pas l'air si fatigué, mais il est toujours effoiré. Il se lève 2 secondes, puis il se réfouère. Fait que c'est ça. Puis là, aujourd'hui, on est en congé. Puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on s'était rien planifié et on avait dit on va se faire une journée veg. C'est rare qu'on fait des journées relax avec vraiment rien de planifié.
ça fait juste du bien au moral. Tu sais, je veux pas, quand on a des week-ends normaux, ben, il y a la routine, hein, qui embarque. Fait que là, vu qu'on a un petit week-end allongé, ben, on en profite. Et j'aimerais peut-être ça, par contre, là, faire installer la terrasse, mais à voir, là, je sais pas si on va le faire. Ce serait le fun d'aller prendre une petite bière sur la terrasse, mais c'est ça. Puis il faudrait peut-être enlever, genre, on a encore notre guirlande de Noël. En tout cas, je vais en parler à mon chum, puis on va voir. Peut-être qu'il tentera pas aussi, ça sera le week-end prochain. Mais c'est ça, il fait super beau. Puis on va ouvrir les fenêtres, mais on va vérifier quand même. puis c'est ça, puis pas de grosse préparation de souper, rien de tout ça. Fait que, ben c'est ça, je vais faire genre un vlog combiné probablement de cette journée-là puis de la journée d'hier. Et ben aujourd'hui je pense pas bien filmer, mais je vous filmerai quand même des petits clips. Et je vais vous montrer aussi, ma belle-mère nous a donné des chocolats de chez, je connais pas la compagnie, selon c'est pas H, mais c'est comme coupé. Et marqué. Et yes, je sais pas si c'est ça, qu'il y a un petit comme ça pour moi. Un petit comme ça pour mon chum. Des petits chocolats assortis dedans. Et ils nous ont acheté comme des choco-tranches. Comme des tranches de chocolat que tu mets sur une toast. Puis là, ça fond. Ou tu peux faire genre des cream cheese. En tout cas, j'ai bien hâte d'essayer ça. Ça va l'air cool. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Puis, avec moi dans ma journée. Banjo, t'es-tu fatigué d'avoir aidé ma tante puis mon oncle dans leur patio? Hein, Banjo? T'es fatigué? Tu vas-tu te tasser un petit peu de la cuisine? Tasse-toi. Tasse-toi, Banjo. Oh, ça va pas marcher. Oh, il a grogné! Tantôt, c'est qu'on le... Eh, mon Dieu, à mes cheveux. Tantôt, c'est qu'on le poussait. Il était couché, puis on le poussait, puis on lui disait comme, ben, va tasse. On lui donnait... On poussait avec nos pieds. Puis il bougeait pas, il se laissait pousser. Il était pas capable de se lever. Allô? On est-tu des parents fatigants? Ouais, comme ça, là. Tasse-toi. Oh, t'es fatigant, maman. Il veut jouer quand même un peu. Ouais, là, il est mort. Es-tu vivant? Es-tu vivant, le gros chien? Non, fais-moi, je veux dormir. Oh, Seigneur, il cogne des clous, le bébé. Allô tout le monde, on est rendu lundi. J'essaie de me trouver un éclairage qui soit pas ça. Donc c'est ça, on est rendu lundi. Il est 5h, là, je reviens de faire prendre la marche à Banjo. On n'est pas lundi, pantoute, excusez-moi, on est mardi. Parce qu'hier, on avait férié. Je suis dans l'une. C'est ça, j'ai travaillé toute la journée. C'était le retour après une semaine, une longue fin de semaine. Mon Dieu, j'ai l'air une quoi. Pis c'était rough là, de retourner dans le beat pis se dire que la prochaine c'est en mai.
Sauf j'ai besoin de vacances, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer comment qu'on avait arrangé notre terrasse. C'est vraiment pas grand chose parce que là, les plantes sont pas encore mises. On va les faire éventuellement. Là, il est trop tôt. T'es soufflé, toi? Puis en plus, tu vivais, là? Tiens, bonouche! Fait que je vais juste vous montrer comment qu'on l'a seté. Tu sais, c'est tout petit hein, chez nous, fait qu'on n'a pas... on met pas grand chose là. Dans notre ancien appart, on avait quand même une pas pire terrasse. Fait que. Mais là, c'est pas. Ici, c'est juste un petit balcon. Mais c'est bien correct. Fait que je vais vous montrer ce qu'on a fait. Reste ici, toi. Non, non, non. Bon, reste pas. Fait que. Je vais vous montrer. Non, 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 non. Reste ici, Manjo. Faut pas chez les voisins. Donc, voilà. Ça, c'est notre barbecue. On s'est mis un petit tapis. On l'a acheté l'an dernier au Canadian Tire. L'an dernier? Ou l'autre d'avant même, je pense. Nos deux chaises et une petite table. Banjo, Rita! Notre voiture est juste là, dans le fond. C'est pour ça, quand je vous dis, il faut faire tout le tour après ça. Faire le tour des blocs. Voilà. Puis là, ici, l'hiver, est... on fait un petit potager. Fait que c'est ça, la vie montréalais. Et l'extérieur. Puis ici, on a un cabanon, quand même pas pire. Là, la clé est à l'intérieur, hein, mais de toute manière, c'est pas mal de désordre. On a mis toutes les décos du sapin et de Noël là-dedans. Ceux d'Halloween aussi. Les skis, tout le kit. Fait que, ouais, ça donne ça notre petite terrasse. On va partir les voisins. Voilà! Fait que, ben c'est ça, là, je pense pas, ça fait drôle de je vais faire comme un demi-week vlog. Parce que j'ai quand même filmé sur trois jours. Puis, c'est ça, en fait, hier, j'ai dit que j'allais faire comme un vlog combiné, mais finalement, je vous ai complètement oublié. Puis, mon Dieu, ça a l'air tellement sombre à la caméra, mais moi, c'est pas pas tout le cas. Quand je suis en contre-jour. C'est ça, j'avais dit que j'allais faire un vlog combiné, mais j'ai complètement oublié de vous filmer ce qu'on a fait. On a été bien relax, on a installé la terrasse. On s'est pris notre première petite bière sur le balcon de l'année. Puis, on a mangé une trempette étagée. C'était full bon! Puis une fondue. Mais ça, je pense que je vous ai filmé quand mon chum, il versait le coulis de chocolat. Fait que c'est ça, ben j'espère que vous avez aimé, puis on se revoit dans un prochain vlog prochainement. Dans un prochain vlog prochainement. Quelle fin!